Fidèle Dimitrios, bonjour. Dans ce nouveau programme de notre émission Conversation avec Jean-Paul Auro, nous recevons pour vous M. Kakou Mathias, conseiller économique et social en Côte d'Ivoire et président du Parti pour le progrès et le socialisme. Tout à fait. Bonne arrivée, monsieur le conseiller. Bonjour, merci. Vous êtes président du Parti pour le progrès et le socialisme, naturellement de gauche. Oui. Comment se fait que vous vous trouvez très souvent avec des amis de droite en Côte d'Ivoire? Bon, écoutez, nous sommes de la gauche. Nous le revendiquons. Nous sommes extrêmement même jaloux. Nous sommes fiers d'être de la gauche. Mais on peut s'allier à des amis de façon objective. Vous comprenez? Et donc, nous avons nos raisons qui ont fait que nous nous sommes retrouvés avec ceux que vous appelez nos amis. Mais c'est ce que sont les raisons, c'est ce que les Ivoiriens veulent savoir. Parce que vers la fin, on a le sentiment qu'en réalité, ça ne veut rien dire pour les Ivoiriens. Parti de gauche ou bien parti de la gauche, ça ne veut rien dire. Vous savez que nous, on a commencé à mener le combat syndical très petit. Et on a été fascinés par la gauche. Et nous sommes devenus adeptes même de la gauche. Mais arrivé à un moment donné, nous on considère au PPS que la gauche, c'est le respect des droits de l'homme. C'est la démocratie. C'est la bonne gouvernance. Vous voyez? C'est vraiment c'est l'état de justice et l'état des droits. Mais à un moment donné, on n'a pas vu ça. On n'a pas senti cela. Avec qui? Vous n'avez pas senti cela? Oui, puisque nos alliés naturels, c'était le RPI. Oui. Donc vous n'avez pas senti la défense des droits de l'homme, vous n'avez pas senti la démocratie avec le Front Populaire Ivoirien? Pas du tout. Ah bon? Ah oui. C'est avec aujourd'hui votre allié Soro Guillaume que vous le sentez? Nous le sentons très bien même à 300%. Ah bon? Ah oui. À 300%. Parce que nous, on peut... Quand aujourd'hui en Côte d'Ivoire, oui, certains Ivoiriens se plaignent, oui, d'être emprisonnés, oui, pour, leur, non, pour mais leurs on opinions. Va, on va en arriver. On va pas en arriver, je si, pose non, la non, question. Non, on va en arriver. Vous m'interrogez, moi oui, je vous réponds. Je ne vais pas répondre n'importe comment. Je dis, la question est principale. Pourquoi un parti de gauche va se retrouver avec des amis? Vous n'avez même pas cité des partis, mais vous parlez d'amis. Je ne sais même pas de quel ami vous parlez. Affaire 1. Deuxièmement, moi je vous réponds. L'actualité, vous dites... l'actualité politique ivoirienne, tout le monde la connaît. Oui. Tout le monde sait que, oui, vous êtes l'un des amis, l'un des défenseurs de Guillaume Soro, oui, qui est au RDA, qui est le président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est un secret de Polichinelle. Donc quand je dis vos amis, c'est compris par les Ivoiriens qui connaissent la vie politique d'accord, ivoirienne. D'accord, je vous le concède. Mais je vous informe que Soro est de la gauche. Ah bon, le RDA est, oui, est un parti libéral. Mais le RDA est un parti libéral, mais il n'est pas obligé d'être libéral. Ah, ah oui. Soro, Soro de gauche, oui, il peut être qui est député, oui, d'un parti de droite. Oui, ça c'est fait. Et l'histoire nous le démontre. Le FPI est un parti de gauche, un parti socialiste. Contre le PDCI, c'est-à-dire le RDA, qui est un parti de la droite, libéral. Pourquoi? Il avait un objectif. Peut-être le départ de Bédié du pouvoir. Peut-être prendre le pouvoir et gagner les élections. Donc dans tout ce qu'on mène comme combat, il y a des stratégies. Voilà, il y a des stratégies. Êtes, on peut être... Vous êtes en train d'expliquer que Soro Guillaume, oui, est par stratégie au RDA. Non, pas par stratégie. Soro Guillaume est un militant de gauche. Qui est au RDA par stratégie. Non, mais ne revenons pas d'abord. Soro Guillaume... Vous m'interrogez en tant que président du PPS. Automatiquement, vous introduisez Soro Guillaume. Oui, parce je ne fuis pas le débat. Parce que vous êtes intéressant quand il s'agit de Soro Guillaume. Ah oui, non. Mais c'est normal. Je le considère comme un homme de gauche. Mm-hmm. Voilà, c'est la question principale que vous avez posée. Mm-hmm. Donc je vous réponds que Soro est un homme de gauche. Mais en tant qu'homme de gauche, si on considère qu'on peut militer à droite pour faire aboutir une cause, on le fait. Le FPI l'a fait, Gbagbo l'a fait. Et après, on revient à ces... on peut revenir, mais bien sûr. Donc pour l'instant, nous ne parlons pas de Laurent Gbagbo. Nous parlons de vous, d'accord, de vos amitiés avec Soro Guillaume. Non, non, mais nous, il faut qu'on revienne sur Gbagbo pour vous rappeler que ça a existé dans l'histoire. Ah. Et que la droite et la gauche, n'est-ce pas, sont réunis. Non, mais... pour combattre le PDCI à non, l'époque. Mais en même temps, ne tournons pas un coup à l'histoire. D'accord. C'est vrai, oui, l'alliance au Front Républicain, ouais, c'était une alliance politique. Ce n'est pas, ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a milité à droite. Uh-huh. Dans votre cas, Soro uh-huh. Guillaume, vous dites que vous déclarez comme homme de gauche, uh-huh. il milite carrément à droite, avec le RDR. Oui.
Mais en fait, tout cela, comme je le disais tout tantôt, quelquefois pour les Ivoiriens, ça ne veut rien dire aussi. Vous êtes d'accord avec moi? À gauche, à droite, ça ne veut rien dire. Bon, ça ne veut rien dire aujourd'hui. On a un objectif, la démocratie. Bon, revenons, nous y reviendrons dans nos futurs échanges. Parlons un peu du Parti pour le Progrès, le socialisme. Mm-hmm. Depuis le départ de son créateur, son fondateur, M. Bamba Mori Féré, nous sentons un peu que vous êtes carrément à la remorque des autres partis politiques, principalement le RDR et je dirais la personne de Soro Guillaume. C'est quoi? Qu'est-ce que vous faites courir exactement? Le PPS n'est pas convaincu de pouvoir aujourd'hui pouvoir conquérir le pouvoir tout seul? C'est la question que vous posez? Oui. D'accord. Moi, je pensais que vous auriez dû me poser la question. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la tête du PPS d'abord? Non, je vous demande, depuis le départ de Bamba Mori Féré, le fondateur du PPS, d'accord. Comment ça se fait que vous, votre parti politique, que vous dirigez depuis son départ, comment ça se fait qu'on le sent que vous êtes à la remorque des autres partis politiques? Tel que. Vous cherchez quoi? Tel que. Tel que le RDR. Le RDR. Et la personne de Soro Guillaume. D'accord. On va pas faire. Maintenant, vous pouvez me dire comment vous êtes arrivé. Ça, c'est non, vous à c'est vous de raconter grave. Votre histoire. C'est pas grave. Je réponds à votre question. Je ne dirai pas ce que je veux, mais je réponds à votre question. C'est pour vous dire simplement que nous ne sommes pas à la remorque d'aucun parti politique ou d'aucune personnalité. Mais nous, nous sommes conséquents envers nous-mêmes. Vous voyez, notre soutien à Soro n'a pas été un soutien caché, comme on le dit, terre à terre. Depuis même la naissance de la rébellion, nous avons pris nos responsabilités pour le soutenir. Et ce n'est pas de façon opportuniste non plus. On n'est pas à la recherche d'argent. C'est de façon convictionnelle. Nous l'avons fait. Et nous l'assumons devant l'histoire. Mais pourquoi? Voilà. Vous voyez, nous on considère que si Soro n'avait pas été, la Côte d'Ivoire peut-être serait encore en guerre civile. Mais il est à la base de... Non, il n'est pas à la base. Parce que lorsque, après le départ de Gueye, nous au PPS, ce qui nous a frustrés. Lorsqu'il y a eu la découverte du cyanide de Yopougon, nous, on est socialistes. Un homme est égal à un homme. Une personne est égale à une personne. Et nous sommes très, 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 très positifs quand il s'agit des droits de l'homme. Nous avons vu les droits de l'homme violés. Le cyanide de Yopougon, la réponse du gouvernement à l'époque, Bogadoudou, perd son âme. Ceux qui sont morts là-bas ne sont pas ivoiriens. Oui, il a dit. C'est des chaînes. Il y avait Boum Boabri à droite. Il y avait Mamadou Koulibaly à gauche. Il était au milieu, à la télévision. Ceux qui sont morts, ce ne sont pas les Ivoiriens. Ça nous a frustrés. Nous, on ne tient pas compte du fait comment Gbagbo est venu au pouvoir. Mais pour nous, le fait de nier, n'est-ce pas, le principe des droits de l'homme, il fallait s'opposer à ça. Nous sommes opposés. Deuxième élément, lorsque au niveau de l'armée, il y avait cette épuration ethnique que personne ne pouvait dénoncer. Ah bon? Ah oui, il y avait épuration ethnique dans l'armée. Épuration ethnique, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Non, mais ceux qui étaient du Nord, qu'on pensait avoir fait le coup d'État contre Bédié, lorsque Gbagbo est arrivé au pouvoir, c'était la chasse à l'homme. De la chasse à l'homme, c'est-à-dire on les poursuivait. Ceux qui n'ont pas été en prison, mais, dites-nous. Oui. Vous avez des noms. Ceux qui n'ont pas eu la chance sont morts. Donnez-nous des noms. Non, mais ils sont nombreux. Ceux qui n'ont pas eu la chance sont vous morts. Avez un nom. Ceux qui ont eu la chance ont fui. Bref, ça c'est sur le plan militaire, sur le plan politique. Vous êtes un responsable politique qui voit une chaîne de télé. Oui. Des choses. Vous avez des exemples, vous avez des documents. Non. Vous avez de la documentation pour attester ce que vous avancez. J'ai dit, il y a eu des morts. Vous le savez bien. Je ne le sais pas. Voilà. Vous l'annoncez aux Ivoiriens. Voilà, non. Vous le savez, il y a eu des morts. Ceux qui ne sont pas morts ont fui. Ils sont allés s'exiler. Ça, c'est sur le plan militaire. Sur le plan des civils. C'est qui? Ceux qui sont allés s'exiler, vous avez quelques noms? Les shérifs sont allés s'exiler. Oui. Ils étaient dans l'armée régulière, France, un chef de la Côte d'Ivoire. Les Ouattaro sont allés s'exiler. Les Kone Zakaria.
Vous savez que même il y a eu des gens, ils ont utilisé les fers à repasser pour les fixer sur leur dos, pour leur enlever la peau. Non, bref, c'est pour vous dire que nous, on n'a rien à voir avec le Front Populaire. On n'est pas contre le Front Populaire. Et comme on parle d'un parti de gauche qui s'allie à un parti de la droite, c'est pourquoi je suis en train de vous faire la précision que lorsqu'on est au pouvoir, qu'on est un parti de gauche, pourquoi on est ses alliés à l'aise, comme le PPS, il faut respecter les droits de l'homme. Merci, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Merci. Concernant la traque qui était vouée aux anciens militaires proches du général Guéhi. Vous avez cité des noms comme Chérif Ousmane, Kone Zakaria, Ibrahim Koulibaly. Notons aussi pour les Ivoiriens que l'histoire retient que ceux-là se sont retrouvés à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso pour s'entraîner et préparer un coup d'État qui s'est mis en rébellion, que vous avez soutenu d'ailleurs. Pour vous aujourd'hui, c'est suffisant et nécessaire. Un charnier, comme vous le dites, un charnier est suffisant et nécessaire pour déclencher une rébellion qui a commis tant d'exactions et de crimes en Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas le seul charnier. Je vous donne un exemple. Face à Gbagbo et à Guéhi, les Ivoiriens ont fait le choix. Pour nous, peu importe celui qui a gagné. Parce que s'il y a élection, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui gagne. Même si ça a été dans des conditions calamiteuses, nous pensons que Gbagbo a remporté les élections face à Guéhi. Bien. Maintenant, vous avez remporté les élections contre Guéhi. Guéhi est parti. À l'investiture, au stade du Fouet-Boigny. Ouattara était présent au stade du Fouet-Boigny. Quel discours un chef d'État qui vient d'être élu doit tenir? Parce que la situation était tellement grave. À l'investiture de qui? De M. Gbagbo. Il a fait son investiture au stade? Oui, il a fait sa rentrée. Après qu'il ait remporté les élections, il y a eu une rentrée politique au stade du Fouet-Boigny. Où il a ouvertement dit ceci. Ceux-là, on voit leur dos, ceux qui ont voulu nous tuer. Ceux qui ont fait ceci, on voit leur dos. Ils ne sont pas ivoiriens. Le stade était en branle. Tout le monde applaudissait. Ça, c'est l'effet politique. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Et comme vous voulez des preuves, je ne vous donne pas des preuves. Mais il y a des gens qui ont été arrêtés qui ne sont plus jamais revenus. Il y a des gens qui ont été enlevés, tels que les camarades H. Ils ne sont plus jamais revenus. Ça, c'est tout ça, c'est dans la prise de pouvoir de Laurent Gbagbo. L'élection de Laurent Gbagbo, ou c'est juste après Camara H. Camara H, c'est après Gbagbo. Après la rébellion. Oui. Pendant. Camara H, c'est pendant. Après le 19 septembre 2002. Oui. Donc, voilà. Du point de vue du temps, de la chronologie, présenter bien les choses. Non. Ça crée de la confusion dans les esprits des Ivoiriens. Ça peut créer la confusion. Mais nous, on estime que, simplement, pour me résumer sur la question, qu'on est allé soutenir et on soutient Guillaume Soro. Pour la simple raison que, s'il n'avait pas été... Aujourd'hui, les droits de l'homme, la démocratie, n'auraient pas pu être en Côte d'Ivoire. Jamais. Merci. Nous allons revenir, comme vous le disiez, c'est une discussion qui est assez intéressante, sur aujourd'hui la situation, la vie politique en Côte d'Ivoire. Votre ami, votre allié Guillaume Soro traverse une situation difficile. Récemment, ces déboires avec la justice, le Burkinabé... Françaises qui ne sont pas encore finies. Aujourd'hui, il est sur la place, il est sur la sellette au plan politique. Comment jugez-vous pour vous l'avenir politique de ce monsieur? Son avenir politique dépend d'abord de Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, si ça devait dépendre de l'homme, ça dépend des Ivoiriens. Vous comprenez? Ça dépend des Ivoiriens. Parce qu'avant de parler de l'avenir politique d'un homme politique, il faut regarder dans son passé, certes. Mais il faut regarder aussi les actes qu'il a posés. Vous parlez de justice, vous parlez d'histoire de Burkina Faso, n'est-ce pas? Et tout. Mais un homme politique, il est toujours exposé. Tout homme politique est exposé. Vous voyez un peu? Donc, ça ne peut pas entraver un avenir brillant
de Guillaume Soro. Guillaume Soro, d'ailleurs, elle a un avenir brillant. Nous, on vous le promet, je vous dis. Non, mais oui. Ça, on peut le comprendre. Oui, oui. Venant de vos bouches, on peut le comprendre. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure que quand on veut parler de l'avenir politique d'un homme politique, il est question aussi de regarder son passé. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de choses dans son passé qui militent contre Soro. Comme quoi? À la tête d'une rébellion qui a créé de la désolation en Côte d'Ivoire, vous pensez que ça joue pour lui? Est-ce que les Ivoiriens ne vont pas se souvenir au moment de mettre, si d'aventure les candidats de mettre le bulletin dans l'urne, n'ont pas se souvenir de ça, de ce que la rébellion a commis en Côte d'Ivoire? Obligatoirement. Celui qui ne se souvient pas est un homme mort. C'est quand on est mort qu'on ne peut pas se souvenir. Mais je veux vous dire que dans l'histoire du monde, quand vous-même vous parlez de rébellion, moi, en tant que président du PP, je ne parle même pas de rébellion. Je parle d'une insurrection militaire. Le mot rébellion... C'est la terminologie qui change. Non, non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Une rébellion, c'est une bande de personnes qui s'organisent de façon illégale pour faire un complot contre l'État. Souvent, tu n'es pas militaire. Moi, je viens. C'est une organisation qui avait un nom qu'on appelait le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire. Non, non. Ce n'est pas une insurrection militaire. C'est une insurrection militaire dans la mesure où... Vous n'allez pas nous refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si, je peux vous le refaire, si vous le voulez. Si vous le permettez, parce que ceux qui ont fait la rébellion, ce que vous appelez rébellion, c'était des militaires ivoiriens. Soro Guillaume était militaire. Même s'il n'était pas militaire, mais tous ceux qui ont constitué la branche armée, ce sont des militaires. Non, mais... Et ce ne sont pas des individus qui sont allés ramasser. Vous savez aussi ça. Mais il y a eu plus... Non. Je vais vous faire la différence. C'est pas parce que des militaires ont participé à une organisation politico-militaire, qu'elle est nécessairement une insurrection militaire. C'est une insurrection militaire. Une insurrection militaire, ça s'appelle une mutinerie. Une mutinerie. Et une mutinerie, oui. c'est des militaires qui sont réguliers. Mais, c'est-à-dire qui sont dans l'armée. C'est des exilés. C'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. Elle est récente. Non, monsieur, les exilés monsieur ne sont pas des militaires. Et si vous êtes exilé. Ils étaient dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. Mais Ouattara n'était pas dans l'armée régulière de Côte d'Ivoire. C'est vous qui disiez tout à l'heure qu'ils étaient exilés, qu'ils ont quitté l'armée. Oui, mais ils ont... Non, attends. D'abord. Il a été clair. Ils sont dans une armée où on fait l'épuration. Qu'ils ont fui. Où ils font la différence entre le nord et le sud. Et bien sûr. Ça devient une armée qui n'est plus républicaine. Alors, dans ce cas de figure, je ne peux pas livrer ma peau. J'ai fui. Ils ont fui. Mais ce que vous devez comprendre, reconnaissez au moins que c'était des militaires ivoiriens. Oui. Donc pour moi, une fois que on parle d'un militaire ivoirien qui a déserté l'armée pour aller se chercher, pour se protéger. Il demeure militaire ivoirien. Vous voyez un peu? Et donc, on ne peut pas parler de rébellion. Je parle d'une insurrection militaire. Voilà, ça c'est mon point de vue. Qui a été positive en Côte d'Ivoire. Qui a été positive dans la mesure où ça a produit des effets. Mais sur la question, on est partagé. Il y a ceux qui n'ont pas soutenu la rébellion. C'est normal. C'est normal. Ils ont leur opinion. Maintenant, il y a ceux qui l'ont soutenu. Ils ont leur opinion. Mais pour nous, considérant les faits passés, nous nous sommes dit que, attention, la situation était très grave. Il a fallu Soro pour sauver. Mais vous savez combien de personnes qui n'avaient pas de pieds d'identité? Ce n'étaient pas les gars du Nord qui n'avaient pas de pieds d'identité. C'est le moins. Les Ivoiriens n'avaient pas de pieds d'identité depuis 1989. Ah oui? Il faut que je vous le précise. Il y a des gens qui n'avaient pas de pieds d'identité. On était là. C'était dû à quoi, d'après vous? Non. À une volonté politique d'ostraciser une catégorie de la population ivoirienne. Je ne peux pas dire. Non, je ne peux pas dire. On n'a pas de titre d'identité. Non, je ne peux pas dire cela dans la mesure où ce ne sont pas seulement une catégorie de personnes qui n'avaient pas de pièces, mais toute la Côte d'Ivoire n'avait pas de pièces. Vous pouvez imputer une défaillance administrative à une volonté politique. Non, ça peut être une volonté politique. Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. Je vous écoute. Hein, vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. C'est vous qui êtes un acteur. Il y a certains qui ont inventé l'ivoirité. C'est qui? Je ne sais pas. Vous êtes journaliste. Je vous laisse. Mais non. Vous avez dit. Non. Pourquoi vous n'avez pas le courage de vos propos? Vous dites à certains qui ont inventé l'ivoirité. C'est que vous savez ce qu'a inventé l'ivoirité? Dites-le nous. Monsieur Kakou, vous êtes jeune. Attends. Pourquoi voulez-vous user de la langue de bois de cette vieille génération? Non.
Non. Vous, la jeune génération, non, écoutez, vous voulez avoir la langue de bois pour écoutez, vos aînés. Écoutez. Vous avez dit, il y a certains qui ont inventé l'ivoirité. Oui. Qui a inventé l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Laissez-moi Monsieur ça. Kakou Mathias, oui. Vous êtes jeune, vous êtes conseil économique ou social, vous êtes devant les Ivoiriens de grâce. Dites-nous, qui a inventé l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Très bien. Non, je ne fuis pas mes responsabilités. Et je le fais aussi pour que vous posiez des questions sérieuses. Elle est sérieuse. Non, je viens. Sérieuse, de sorte que on puisse exprimer sincèrement ce qui est dans notre cœur. Nous n'avons plus assez de temps. D'accord. Qui a inventé l'ivoirité en Côte d'Ivoire? Nous, on passait à nos sujets. L'ivoirité en Côte d'Ivoire a été inventée par le PDCI. Et non. Ça a été inventé par le PDCI. Henri Konan Bédié, que vous avez salué récemment pour avoir fait son appel. Oui. Daoukourou. Oui, je l'ai salué. Je l'ai salué. Mais vous savez, vous avez dit quelque chose de très important. Hein? L'histoire est têtue. L'histoire est têtue. On peut évoluer. On peut changer aujourd'hui. Mais il faut regarder derrière. Nous, on dit le concept était culturel. Mais écoute, ça a été culturel comment? Comment ça a été culturel? Pourquoi ils n'ont pas dématé à l'époque que c'était culturel? Kakou Mathias n'a pas la langue de bois. C'est parce que vous ne me connaissez pas assez. Non, mais je vous écoute, je oui. vous ai demandé. Donc c'est pour vous dire. Finalement, vous avez dit que c'est Henri Konan Bédié qui est le père de l'ivoirité. Mais il est le père de l'ivoirité. Il n'est même pas question de fuir ses responsabilités. Merci. Oui. L'une des raisons aujourd'hui oui. pour lesquelles la constitution ivoirienne est en train d'être modifiée, oui. pour beaucoup, cette constitution est conflictionnelle à base de 10 ans de crise en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi aujourd'hui le président Assane Ouattara a pris l'initiative de reformer un certain nombre de dispositions de cette constitution-là. Mais beaucoup d'Ivoiriens, ou du moins l'ensemble des Ivoiriens, n'ont pas encore la première mouture de cette constitution. Personne ne sait en réalité de quoi elle retourne. Tout le monde sait aujourd'hui vaguement qu'il aura un vice-président, un premier ministre et un sénat. Pour vous aujourd'hui, qui êtes un acteur de la vie politique ivoirienne, et quelle lecture vous faites de ce nouveau projet? J'ai fait la même lecture que vous. Vous voyez, nous, on va se réunir en bureau politique pour se prononcer sur la question de façon globale. Parce que la constitution, ce n'est pas n'importe quoi. Vous voyez? Entre-temps, est-ce que vous avez été invité aux différentes audiences du président Assane Ouattara pour vous informer ça? Juste rapidement, c'est que... Non, je n'ai pas été informé. Ok. Je n'ai pas été informé. Vous pouvez continuer. Mais nous aussi, on veut la mouture. Vous comprenez? Parce qu'une constitution, le principe de réviser la constitution, une nouvelle constitution, pour nous, nous sommes partants. Quand on sait que tous les acteurs sont unanimes sur la question, pour dire que cette constitution a causé d'énormes dégâts, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas aussi faire une nouvelle constitution pour créer demain, après 2 ans, une troisième constitution. Il faut que les bases soient saines. Sincèrement. Pour nous, la constitution... Pour vous, elle doit être faite. Une constitution démocratique. Du point de vue de la forme, d'abord, comment ça doit se présenter aux Ivoiriens? Très bien. Et par rapport au contenu, comment ça doit se présenter aux Ivoiriens? Oui, du point de vue de la forme. Rapidement, s'il vous plaît, on ouais, a plus assez de temps. Oui, mais il faut qu'on ait le temps. Du point de vue de la forme... Nous souhaitons que ça se passe par une constituante. Une constituante. Toute la société civile soit associée. Tous les Ivoiriens soient associés. Tous les partis politiques soient associés. Ils ne sont pas obligés de voter oui ou non. Mais tout le monde soit associé. De sorte qu'elle ne soit pas remise en cause demain. Nous ne voulons pas aussi d'une constitution héréditaire. J'emploie ce mot. Héréditaire. C'est-à-dire? Non. Quand on parle de l'hérédité, c'est une constitution taillée sur mesure. Voilà. Vous êtes en train de dire que Assane Ouattara est en train de mettre en place une constitution il n'a pas encore se désigner un successeur. Non, il n'a pas encore mis en place. C'est ce que vous laissez sur vous. Non. C'est pas ce que vous dites. Oui, j'ai dit. Écoute-moi bien. Laissez-moi aller dans mes. Allez-y. Voilà. Allez-y, je vous dis. Le principe de faire une nouvelle constitution, de la réformer, est une très bonne chose. Mais nous ne voulons plus retomber dans des crises. Donc, on veut une constitution démocratique. Une constitution qui véritablement prône le respect des droits de l'homme et de la loi. Une constitution qui va favoriser la fraternité et un pays-nation. Une constitution qui va consacrer à l'intérieur, n'est-ce pas, la lutte contre l'impunité, contre les invasions fiscales. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement l'article 35. Ce n'est pas seulement augmenter l'âge. Mais une constitution qui va faire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, après une crise,
les gens se réconcilient autour. Donc pour vous aujourd'hui, voilà. Pour vous, il doit y avoir une constitution qui doit ramener la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Mais vous jugez la démarche du président Alassane Ouattara comme une manœuvre politique dans le but... Je ne le juge pas, je dis, je propose. Je n'ai pas dit vous jugez le président, j'ai dit vous jugez sa démarche comme une manœuvre politique visant à... Si je le fais, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire ouvertement. Ne me prêtez pas. Ce que le président Alassane Ouattara a fait là pour vous, c'est quoi? Ne m'arrachez pas ce que je n'ai pas dit. Je dis c'est bon. Ce qu'il fait là, c'est bon. Oui, oui. Vouloir une nouvelle... De la manière dont il fait là, c'est bon. Quelle manière? Oui, il ne fait pas de constituante que vous souhaitez. Non. Oui, il ne propose pas la mouture aux Ivoiriens. Non, non, non. Vous le il n'est pas encore arrivé à ce niveau. Dans la mesure tout, où... ça, tout ce qu'il fait là, c'est bon. Oui, c'est bon dans la mesure où, il a commis la tâche aux experts. Les experts, ce que nous proposons, c'est normal. La constitution, là, elle est mal, son initiative est mal toujours du gouvernement. Donc, ça émane du président de la République. Il peut initier, ça est dans son programme de gouvernement. C'est tout à fait normal. Maintenant, il a nommé un comité d'experts. Bon, il fait les propositions au comité d'experts. Voilà comment moi je veux que la constitution se fasse. Le comité d'experts rédige. Le comité d'experts vient devant la constituante pour faire la proposition en quelque sorte du gouvernement. Que voilà comment nous, ou bien voilà comment le gouvernement, ou bien le président de la République souhaite que la constitution attend. Soit l'Assemblée nationale dans tout ça. Non, l'Assemblée nationale ne légifère pas sur la constitution. Ah oui. Si c'était l'Assemblée nationale, on aurait parlé de modification. Vous comprenez? Voilà. Donc ici, là, il est question d'élaborer une nouvelle constitution. Donc, il faut associer tous les acteurs. Il faut une monture. Il faut un projet. Que ce projet soit connu par la société civile, par tout le monde, les organisations des droits de l'homme, etc. Et puis, tout le monde va discuter autour. Voilà. Et puis, on va au référendum. Si on va au référendum maintenant, bon... ceux qui sont pour vont voter, ceux qui ne sont pas pour vont voter. Selon le fait déjà d'appeler à un référendum, ça c'est une troisième étape. Vous voyez, le référendum, ça c'est la conclusion. Mais il faut que le comité d'experts fasse le travail. On veut voir le projet. Voilà, vous avez parlé de vice-présidence. Mais je ne peux pas me prononcer sur la vice-présidence si je ne sais pas les attributions, n'est-ce pas, dévouées au vice-président. Vous voyez un peu, voilà. Mais là, nous sommes socialistes. On aurait voulu, il faut que je le dise aussi, on aurait voulu que la Côte d'Ivoire, après cette crise-là, se dote d'une constitution parlementaire. Merci, monsieur Kakou Mathias, d'avoir accepté notre invitation. Nous avons été très heureux d'échanger avec vous. Nous espérons que tous les Ivoiriens et les spectateurs d'Iventures TV qui ont suivi cette émission ont eu beaucoup de plaisir à vous suivre. Nous espérons vous recevoir très bientôt dans nos studios. Votre mot de fin pour les Ivoiriens en 30 secondes. Oui, oui, les Ivoiriens, je veux que les Ivoiriens se réconcilient. Et que c'est vrai, le passé était douloureux. Chacun a un passé. Il y a des gens qui étaient des voleurs qui ont changé. Il y a des gens qui n'étaient pas des voleurs, qui sont devenus voleurs. Vous voyez? Donc, ça peut changer. Donc, je souhaite que tous les Ivoiriens, n'est-ce pas, se mettent ensemble pour avancer. La Côte d'Ivoire est belle. Vous voyez? On peut faire beaucoup de choses ensemble. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Tout le monde est mon ami. Tout le monde est mon ennemi. Merci, monsieur Kakou Mathias. Fidèle d'Iventures TV, ça a été un plaisir de présenter cette émission. Nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir aussi à la suivre. À la prochaine.